Salut les Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir. Petite vidéo pour vous informer de quelques petites choses. C'est en fait pour rappeler quand est-ce que je peux envoyer des vidéos ou pas. Cette vidéo est surtout pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens. Ça servira de piqûre de rappel. Car je le sais, certains d'entre vous veulent avoir maintenant la vengeance de Mandalore, la suite. Vous voulez que je termine, enfin que je vous mette toutes les suites maintenant. Le truc, c'est qu'il va falloir un petit peu attendre. Pour plusieurs raisons. Premièrement, mes jours d'envoi sont le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Des fois, je peux envoyer le jeudi uniquement si j'arrive à négocier de façon très subtile avec le proprio de la connexion internet qui me dit de ne pas envoyer tout le temps des vidéos comme je l'ai fait jusqu'à maintenant afin de pouvoir éviter d'avoir tout l'immeuble sur le dos. Et le samedi et dimanche, c'est normalement les jours où je fais le montage, où je prépare les vidéos, enfin je filme, je monte, je prépare les miniatures, etc., etc. Je prépare donc tout pour la semaine justement. Et si je vous envoie des vidéos le samedi et ou le dimanche, c'est que les vidéos sont soit très légères ou que le proprio de la cause n'est pas là et que donc avec certaines personnes je me mets d'accord pour que bon je puisse envoyer une vidéo quoi comme ça voilà donc normalement alors je vais essayer de négocier avec le proprio de la cause pour essayer d'envoyer la suite des vidéos sur Mandalore la suite de ces vidéos la suite de la vengeance de Mandalore pour demain pour dimanche dimanche attendez que je regarde la date dimanche 5 juin et sinon bah ce sera lundi donc qui devrait y avoir la suite. Je vais essayer d'envoyer les deux autres parties parce que oui le chapitre 3, enfin le chapitre 14 je l'ai terminé en trois parties. Donc voilà, vous avez eu la première partie, dites-vous que vous avez fait un quart du chemin. Après, vous aurez la deuxième partie où je vous préviens, en fait, il y a eu un souci technique, il y a eu un décalage son. Donc, ça fait que le son du jeu ainsi que celle de ma voix est décalé par rapport aux images suite à un bug venu du jeu en fait et du logiciel de capture que j'utilise qui est Fraps. C'est un petit bug qui m'était déjà arrivé par le passé, j'aurais dû m'en rendre compte, je m'en suis pas rendu compte durant la vidéo. Et voilà quoi, en même temps je savais que j'aurais pas dû filmer la tempête de sable comme ça, mais vous aurez des explications dans la partie 3 de la Vengeance de Mandalore, comme ça j'évite de perdre trop de temps et comme ça je vous envoie cette vidéo rapidement. Et ensuite la partie 3, il n'y a aucun décalage ni quoi que ce soit, donc ce sera très bien fait, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, à part la partie 2 de la Vengeance de Mandalore, il n'y a aucun souci, voilà quoi, tout est nickel. Et pour ceux qui veulent savoir, ceux qui ne sont pas allés voir le programme de juin que j'ai présenté, comme j'ai expliqué, ceci est un mois de débarras, c'est-à-dire je vous envoie des vidéos de jeux que je tiens depuis le début de l'année et que bah, maintenant il faut que je les mette sur internet parce que là elles me prennent trop de place et donc il faut que je fasse du vide pour faire d'autres vidéos telles que les vidéos Skyrim que je n'ai pas pu faire le mois dernier, le mois de mai, pour diverses raisons, des raisons personnelles et professionnelles, etc., etc. Bref, sur ce les Valjean, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite et ciao ciao! On se retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère ce sera bah, la suite de Store, la vengeance de Mandalore. Sinon, ben normalement, techniquement, vu que j'ai commencé à mettre les campagnes mode de Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, normalement, vous aurez donc les autres campagnes mode que j'ai fait. Et sachez d'ailleurs qu'il y en a une que j'ai même pas terminée encore, alors que ça fait depuis mars et début avril que j'ai cette campagne mode. Donc voilà, faudrait que je me bouge le cul à ce niveau-là. Mais voilà quoi. Donc sur ce, à plus les vagins.